Bonjour, moi c'est Myriam. Alors, je vais vous présenter l'œuvre. Donc, j'ai travaillé sur Lever de lune sur la mer. L'auteur c'est Caspar David Friedrich. Il l'a réalisé en 1821. La technique qu'il a utilisée c'est de la peinture à l'huile. C'était en période du romantisme allemand. Les dimensions sont 135 x 170. Il a été conservé à Berlin dans les galeries nationales. La biographie de Caspar David Friedrich. Il est né le 5 septembre 1774 à Greifswald. Et il est mort le 7 mai 1840 à Dresde. Il est peintre et dessinateur allemand, considéré comme l'artiste le plus significatif et influence la peinture romantisme allemande du 19e siècle. Excusez-moi. L'enfance de Caspar David Friedrich est masquée par les morts de ses proches. À partir de 1781 à 1791, à 7 ans, il perd sa mère en 1781 et sa sœur Elisabeth. En 1787, il perd son frère Johann Christophe. Il se noie dans la mer. Il se noie dans la mer. Et sa sœur meurt en 1787. 80, non. 1791. Après. Du coup, ça lui a influencé sur les thèmes de sa peinture. Ce sont la mort et l'autre étant la nature. À partir de 1794, il prend goût pour le dessin et pendant 4 ans, peint des paysages prestigieux. L'étude technique. Une étude technique rapide, huile sur toile, après un paysage du peintre romantique allemand. Description de l'œuvre. Il représente un paysage vespéral du bord de la mer, avec deux couples contemplant des voiliers sous la lune. Deux jeunes femmes sont assises sur les rochers de bord de la mer et deux jeunes gens plus au fond. Au bord de l'eau, se tenant debout face à la mer. L'analyse. Le paysage illustre la tristesse ainsi que la mélancolie des personnages. Le lever de lune revient au crépuscule, dont le coucher du soleil, qu'on peut interpréter comme le coucher de la clarté.